Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. On se retrouve aujourd'hui, nous sommes vendredi. Il fait, alors quand on s'est levé, on s'est réveillé, le ciel était tout gris. Il faisait lourd. Voilà, c'était lourd. On est sorti puisqu'on a eu à sortir. Il commence à tomber des toutes petites gouttes, mais ça n'a rien mouillé. Hein. Ça n'a même pas enlevé la poussière. Et puis là, c'est grand ciel bleu, grand soleil et une chaleur de dingue. Bon, le facteur est passé. Il a sonné à la porte. Bon, il m'a remis ma déclaration d'impôt. Hein. Voilà, bon. Ça va. Du fait que je n'ai plus le droit de travailler, forcément, je ne suis pas imposable. Mais ce n'est pas forcément ce qu'on aime recevoir. Et ma louloute m'a posé que j'ai juste à glisser. J'ai reçu un colis. Alors, je vous montre. Par contre, il a été déchiré. Donc, j'espère qu'il ne manque rien. Tu me diras, ma belle. Je vais le refaire glisser. Et hop, sur la chaise. Elle a vraiment étudié comme il faut le coup, puisqu'elle est au téléphone. Elle était au téléphone. Elle est partie à la salle de bain. Donc, je pense qu'elle a raccroché. Je pense que c'est même sûr. Mais à mon avis, elle va ressortir en ayant rappelé sa copine. Bon, c'est pas grave. Ça, hein, c'est une jeune. C'est normal. C'est ton âge. Mais avant de se sauver, elle m'a tout préparé que je n'ai pas à peiner. Alors, la copine qui m'a envoyé ce colis m'a prévenu, elle m'avait dit, ce sont des trouvailles. Il y a des choses qu'on n'a pas vues sur les réseaux. Donc, ce sont des trouvailles de chez, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, il doit y avoir du Action, du Nose. Il y a d'une autre boutique, ça je vous en parlerai, c'est une copinette, je vous en parlerai au moment voulu. Qui m'a donné une super idée, comme j'ai pas cette boutique autour de chez moi, du coup, eh bien, l'ami qui m'a envoyé ce colis a été me le chercher. Je vous expliquerai tout ça au fur et à mesure, mais il y a vraiment de très très jolies choses, apparemment. La connaissant, de toute façon, je ne m'inquiète pas. Je sais que c'est que du joli. Par contre, il n'y a pas à arrêter. Hein. Il va vraiment falloir t'arrêter parce que là, je vais me fâcher à force. Je vais dire comme ma petite Maryse, tu vas prendre une fessée cul nue. Hein. Aïe, aïe, aïe. Allez, j'ouvre. Là, je pousse les rabats du carton. Et on y va. Alors, sur le dessus, c'est top. Je trouve tout de suite ta petite carte. Donc, dans une enveloppe carrée. Oh, qu'elle est jolie. Oh, elle est trop belle. L'été sera chaud. Ah ben là, carrément. Mais j'adore le classeur et le... Le dice, il est top. Ah, j'avais pas vu. Non, c'est bon, vous n'avez pas vu ce qu'il y a au dos. Donc voilà, regardez. Une glace. Donc là, on a le biscuit. On a le détail, hein, regardez. C'est trop joli, en vrai. On dirait vraiment un biscuit. Vous savez, là, les crêpes sèches, là où on met justement. Enfin, c'est pas des crêpes, mais je sais plus comment on appelle ça. Où on met justement la glace dedans. Oh, c'est top. L'été sera chaud avec de superbes petites abeilles. C'est trop mignon. Le fond, tu l'as fait toi-même avec de la peinture nacrée. Peinture métallique. On le voit bien. Allez, je lis ton petit mot. Yep. Donc Action, Nose, Lidl et un tout magasin que je vous dirai après. Merci infiniment ma Marie-Noël. Je te fais plein de gros bisous. Donc dedans tu m'as mis une pochette, une grande pochette, comme ça je pourrais ranger mes grandes feuilles, mes feuilles 30-30 qui ferment avec une pression. Et au dos, elle est comme ça. Et le motif, il est super joli. Et ça glisse pas, ça fait un peu antidérapant, c'est top. Je te remercie beaucoup. Ensuite. Yop, yop, yop. Tu les as trouvés, c'est top.
Alors, j'ai ma petite, que je dise pas de bêtises, ma petite Danielle, Danielle V, tu vas te reconnaître ma belle, qui m'avait envoyé un mail en me disant qu'elle avait été chez Stokomani. Et que chez Stokomani, il y avait des emplois du temps magnétiques à 99 centimes. Et que c'était pratique parce que c'est magnétique. Donc, ma petite Marie-Noël, j'en ai parlé très gentiment, elle y allait. Donc voilà les emplois du temps magnétiques. Je vais l'ouvrir et je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Donc l'emballage, hein, vous voyez comment c'est fichu. Le prix, c'est bien 99 centimes. Comme ça, vous voyez que je ne vous dis pas de bêtises. J'ai reçu Coco Rosa hier, ben, je vais en profiter. Allez, on prend lequel? Allez, on va prendre la fée. Et hop. Donc là, vous avez votre emploi du temps et vous avez une grande plaque magnétique au dos. Et ça ne bouge pas, pourtant je le secoue. Il ne bouge pas d'un poil. Donc pour 90 centimes, une grande plaque magnétique comme ça, franchement, ça vaut le coup. Ça va pouvoir faire des tableaux, des rangements, tout un tas de choses. Donc ça, c'est le Dice Fée, hein, que je vous ai montré hier. Il est topissime. Ma louloute me l'a découpé ce matin. Le rendu est top, je vous montrerai plus tard. Donc, là, on a un stylo. De ce côté-là, on a le petit truc là pour essuyer, là, la petite feutrine. Et quand on débouche, le stylo, donc. Celle qui le souhaite, elle s'en sert en emploi du temps, On s'est trompé, et ben on essuie. Mais moi, c'est pas dans ce but-là que je les ai pris. C'est vraiment dans le but de me servir de l'autre côté. Donc ce morceau-là, et ben on va pouvoir le décoller. Hein. Ça va pas être compliqué, regardez. En deux secondes. Et on a une super planche magnétique. J'ai déjà rangé, je suis bête. Mais de ce côté-là, ça doit fonctionner aussi, dans la logique. J'enlève pas le plastique. Je vais enlever le plastique quand même. Ah non, là, il y a la couche. Non, ça ne doit pas fonctionner de ce côté-là. Je ne sais pas. On va voir ça tout de suite. Non, ce côté-là, il ne fonctionne pas. Mais ce côté-là, on s'en moque puisque nous, c'est le côté magnétique qui nous intéresse. Et je vous dis, il est vraiment puissant comme aimant parce que alors là, je le secoue comme il faut. Il ne bouge pas. Hein? Donc ça, ça vient de la boutique Stokomani. Donc, je te remercie infiniment, ma Danielle, pour l'idée que tu as eue. C'est vrai que moi, ne connaissant pas ce magasin-là, je sais qu'il y en a un à Mâcon. Mais Mâcon, j'y vais jamais ou alors une fois tous les 10 ans. Et il y a quand même pas mal de routes depuis chez moi pour y aller. Mais je te remercie vraiment pour l'idée. Donc, du coup, ma petite Marie-Noël, merci à toi aussi infiniment parce que sinon, j'aurais pas pu vous montrer cette idée. Et Marie-Noël, du coup, m'en a pris donc le premier que vous voyez, 2, 3 et 4. Donc, je te remercie de tout cœur. Les trois autres, je vais les mettre sur le côté. Hein. Ça, je suis désolée, il y a un avion qui passe, un avion de chasse. Ça ne sert à rien que je les laisse tous là à encombrer l'emplacement puisque il va y avoir de quoi voir. Alors, chez Nose. Là, je sais que ça vient de chez Nose. Oh, elles sont super belles. Tu m'avais montré les photos, mais ça rend encore mieux. Il y a eu des arrivages mariage chez Nose. Je pense que vous les avez, pour toutes celles qui vont chez Nose, vous les avez vues. Et ça, c'est quelque chose que je n'avais pas vu chez Nose, que je n'ai pas vu ailleurs, d'ailleurs. Je n'ai pas vu en vidéo. Ils vendaient des couronnes de fleurs comme ça. Alors, honnêtement, je ne me vois pas du tout m'en servir en couronne de fleurs. Hein. Mais... Cette couronne, elle va pouvoir servir à plein de choses. Parce que je vais la démonter, bien évidemment. Il y a déjà l'organza que je vais récupérer, qui est très jolie. Donc ça, je vais déjà pouvoir l'enlever même tout de suite avec vous. Ah, ma louloute ressort de la salle de bain.
tout le monde. Coucou ma toute seule à moi. Je m'y attendais. Ah, ça faisait longtemps que je te l'avais pas fait. Donc là, je récupère déjà le premier morceau d'Ankonza. Il y a un deuxième qui est là, je le récupère aussi. Ça va ma puce? Oui, ça va très bien. Bon, bah, si ça va très bien, c'est encore mieux que ce que j'espérais. Donc là, on a déjà deux beaux morceaux d'organza. Il y a une belle longueur, on a combien? On a 44 cm chacun. Donc on a presque un mètre, hein, à quelque chose près, presque un mètre. Là, je vais venir récupérer toutes les petites fleurs, je viendrai les décoller. Et après, on a un système d'éclairage de lumière. Donc, pareil, je viendrai récupérer le système de guirlande électrique. C'est trop beau. Et bien, tout démonter, ça va être génial parce que ça va servir à plein de choses. Donc, là, je ne vais pas le démonter entièrement avec vous. Hein. Je ne vais pas prendre le temps sur cette vidéo. Puis je le ferai pas en vidéo non plus parce que je ne vois pas l'intérêt. Je vais démontrer tranquillement dans mon coin. Donc, elle m'en a trouvé une, deux et trois. Donc, pareil, je te remercie infiniment. Et je vois qu'elles n'ont pas toutes les mêmes couleurs. Regardez. Là, la fleur en mousse, elle est violette. Là, elle est bleue. Et de l'autre côté, elle est rose. Hein. Et puis ici, elle est blanche. Donc, vous voyez bien que c'est pas les mêmes couleurs de l'une à l'autre. Là, c'est même pas le même bleu. Non, c'est top. Je vais avoir des fleurs de couleurs différentes. C'est génial. Donc, je te remercie infiniment. C'est génial. Merci de tout cœur. On continue. Elle m'a mis des découpes. L'autre fois, elle m'avait mis la découpe Hublot en plastique. Et elle s'est rendue compte qu'elle avait oublié de me mettre les découpes pour faire donc le tour du shaker. Donc, elle me les a rajoutées. Là, ça vient de chez Action. Alors, comme elle m'a dit, hein, c'est tout mélangé au fur et à mesure. Elle mettait dans le carton au fur et à mesure qu'elle trouvait. Hein. Elle nous a pris des stickers. Alors, ce sont des stickers que vous avez déjà dû voir. Hein. Là avec le petit nounours. Un petit nounours ou un petit chat? Ça ressemble plus à un chat ça. Flo, voyons, c'est un chat. Donc voilà, ce sont ceux-là. Ils sont très jolis, j'aime beaucoup les couleurs. Il y a celui-ci. Donc là, on les voit bien, il n'y a pas le reflet de la lumière. Yep. Elles sont magnifiques, les fleurs. Ils sont superbes, ces stickers. J'adore les stickers Action dans ces planches-là. Et le troisième, ça, c'est un de mes chouchous, le petit mouton. Regardez, ils sont trop, trop beaux. Que ce soit les moutons, les lapins, les petites fleurs, les machins, les papillons, ils sont superbes. Celui-là, je m'en suis déjà pas mal servi. Tu vois, ça tombe bien. Au moins, comme ça. Alors, ça, on regardera après. Ouais, c'est ça. C'est bien ce qui me semblait. Elle m'a mis ses marque-pages dans un carton. Donc, je ferai une autre vidéo pour ça, ma belle. Là, on va vraiment rester concentré sur... Hop là. Ils ont écrasé la boîte. J'ai un crayon qui vient de se sauver. Il se fait la malle, le petit coquin. Je le reglisse. Et youp. Elle m'a trouvé des... Enfin, elle nous a trouvé des crayons de couleur. Donc, ça vient de chez... si je dis pas de bêtises, Tokomani. Si je dis des bêtises, surtout, n'hésite pas à me reprendre dans les commentaires, hein, Marie-Noël. Donc, elle m'a pris une première boîte, tu vois, dans le transport, ils me l'ont écrasée, celle-là. Hop, je la referme comme il faut. Donc, là, ce sont des crayons de couleur où on a des paillettes sur le corps. On les voit bien. Mais à voir la mine, je pense pas qu'ils seront pailletés, mais peut-être plus nacrés. On va les tester. Enfin, nacrés, pas nacrés, mais métalliques. Et hop, là, il y a un bout de papier, je le pique à louloute. Voleuse. Le papier, bien sûr. Oui, précise, parce que tu sais.
Hein. Ce n'est que de l'humour. Je préfère préciser quand même. Oui, oui, oui. Bon, tu me diras, la famille, ils me connaissent. Hein. Mais quand même. Là, j'en teste plusieurs. Oh, ils sont super jolis, les couleurs. Allez, on en teste un dernier. On va prendre le bleu, là. Les couleurs sont super jolies. Je sais pas, j'ai une manie, c'est les crayons en bois, faut toujours que je sente quand ils sont tout neufs. Ça, tout le temps. Ils sont trop beaux. Là, j'en ai testé trois. Vous voyez, on voit l'effet métallique quand même un petit peu. C'est pas trop trop prononcé, plus sur le gris, mais ils sont très jolis. J'essaye de vous remontrer un coup. Là, on voit bien, ça brille quand même. On aperçoit un petit effet métallique quand même. Donc, elle m'a pris cette boîte. Bien sûr, ils ne sont pas tous redescendus. Je ne vais pas pouvoir la fermer. Oh. La boîte, hein, pas ma bouche. Ma bouche, je ne la ferme pas facilement. Non, puis heureusement. Oui. Donc, tu m'as pris celui-là. Tu nous as pris, pardon. Et tu nous as pris... Donc, elle va être contente, Louloute, c'est qu'elle va en avoir une. Deux boîtes de... Enfin, deux paquets de métallique. Ils sont superbes. Donc, je t'en donne tout de suite un paquet. Ouais, je te le donnerai après. On va les laisser là comme ça pour l'instant. Le faux espoir. Tu veux les tester? Bon, au pire, je peux les tester comme ça, on peut les montrer. Allez, je te passe le paquet, je te passe le papier, tu fais de l'autre côté. Comme ça, on les mélange pas. Yop, on continue. Elle m'a joint dedans. Alors, elle m'avait trouvé des bâtons de colle. Vous savez, les bâtons de colle pour le gros pistolet à colle. Elle m'avait trouvé en argent et en or. Et là, elle m'en a trouvé des verts et des rouges. Et ben, c'est génial. Je te remercie infiniment. Donc, c'est les bâtons de colle métalliques. Métallique pailleté. Oh, je vais m'en sortir, moi, métallique pailleté. Oh là là. J'ai pas gros dormi, mais quand même. Hein. Tu m'as repris des petits... Alors ça, c'est pareil. Hein. Comment on y appelle déjà? Aide-moi. Des serpentins? Non. Non. T'es aussi doué que ta mère. Des chenilles. Des chenilles, voilà. Tu m'as repris des chenilles blanches. Donc ça, ça vient de chez Noz. Les bâtons de colle, ça vient de chez Noz aussi. Les couronnes de chez Noz. Tes découpes, je les mets sur le côté. Ça n'a rien à voir. Ensuite, chez Lidl. Waouh. Ah ben on va le découvrir ensemble, il est super joli. On va le découvrir ensemble, elle est en train de feuilleter. Le truc, franchement, on le découvre ensemble. Alors. Je regarde avant juste. Bah oui, mais c'était tentant. Elles sont tentées aussi. Hein. Bah oui, mais je vais leur montrer, t'inquiète pas. Tu m'as trouvé un bloc de papier chez Lidl. Donc c'est le set de carton à motif tropical. Donc je pense qu'il y avait plusieurs thèmes. Il est très joli. Donc là, on a des découpes. Là, on a pour faire une boîte. Voilà, moi, je suis à l'envers. On a des feuillages. On a plein de choses. Alors, je vais essayer de vous montrer parce que c'est pas évident. J'ai tout mon bazar sous le pied de la lampe. C'est magnifique. On va dire le plus fort. Les couleurs des crayons de couleur sont magnifiques. Ah ben ça, c'est déjà top. Attends, je dis quoi? Les couleurs des crayons de couleur sont magnifiques. Si, ah. Ça va. Ah. On a le premier papier décoré ici. Alors c'est bien parce qu'on n'aura pas le choix. J'aurai pas de choix à faire. Puisqu'au dos c'est blanc. Ça c'est top. Parce que alors, quand il faut se décider de quel côté on utilise, c'est pas toujours facile, hein, croyez-moi. Et je sais que vous le savez. Le suivant, il est comme ça. Et ben, j'ai même pas besoin de bouger plus. Vous le voyez super bien. Là il est très joli dans les teintes de bleu. J'aime beaucoup. Moi je les vois. Vous les voyez. Mais Lola pas. T'inquiète, après je regarderai. Ils sont superbes, franchement très jolis. Oh, j'aime bien la petite voiture avec les valises pour partir en vacances. Le palmier, l'avocat, les bananes, l'orange, oh, l'ananas. Elle est superbe. Les tongs, l'appareil photo. Hein. Noix de coco aussi, il ne faut pas oublier. Oh, c'est génial. Là, pareil, très joli dans les teintes. Plus de bleu, bleu et vert. Là, forcément, des flamants roses. Hein. Oh, même les ananas, là, ils ressortent super bien. Oui, je les feuilletais, mais très vite. La preuve, c'est que je ne les ai pas tous vus. Puis alors là, j'adore. Les animaux comme ça. Waouh. Alors, on a des animaux, des bois. Ouais, hop. Animaux de la ferme, hein, puisqu'on a le poussin aussi.
on a des animaux de la savane. Et c'est génial, on peut venir les détourer et s'en servir comme ça. Franchement, ils sont superbes. Alors, je vous montre jusqu'en bas. Oh, j'ai vu. Et là, ils sont recto verso en plus. Oh, c'est top. Ça correspond vraiment. Hein. Ah, j'adore. Bon, il va falloir qu'ils m'ouvrent un Lidl pas loin de chez nous. Hein. Parce que le plus proche, il est à 25 km. Donc, comment vous dire que Lidl, déjà, j'ai pas les promos. Je pense pas les regarder sur Internet. C'est vrai que c'est quelque chose que j'oublie. À laquelle je ne pense pas. Et en prime, eh ben, faudrait vraiment que je sache qu'il y a un arrivage comme ça pour y aller. Parce que sinon, dû à la distance, je n'y vais pas. Là, on a des cactus. J'adore. Ils sont trop beaux. Des papillons, des oiseaux. Ouais, c'est tout ce que j'aime. Ils sont vraiment superbes. Pareil, c'est recto verso. Oh là là, et ceux de la mer. Oh mon Dieu. Alors, on a Discotex encore au-dessus, je suppose. Oui. La tortue est trop belle. Ah, ils sont magnifiques. L'hippocampe. Oh, j'adore. Ensuite, on a des fruits. Tous les fruits d'été. Mais on entend clairement la musique. Ouais, ouais. Ça a allumé le feu. D'ailleurs, c'était ça quand je suis là-bas. Ouais, je sais pas ce que c'est, mais bon, bref. Là, on reprend du papier décoré. Très joli. Là, il est très flashy, celui-là. Mais ils sont super. Oh là là, j'adore. Les feuilles de palmier avec les fleurs. Et on arrive sur des papiers unis. Donc, on va avoir un rose. Et pareil, ils sont que d'un côté, le uni. Un bleu turquoise, un orange, un jaune, un vert foncé, un dans les teintes marronnées, assez clair, un noir, un... Alors, c'est pas bleu marine, mais c'est un bleu canard foncé, je dirais. Bleu canard? Ouais. Là, on est dans les rouges un petit peu orangés, mais plus de rouge que d'orange. Là, un vert très clair. Il ressort presque jaune à l'écran, mais il est vert. Et voilà. Eh bien, écoute, je te remercie infiniment parce que, comme je vous disais, moi, Lidl, c'est vrai qu'on n'a pas les pubs et qu'il n'est pas à côté, à côté. Donc, on a 25 feuilles et c'est du 245 grammes. Eh bien, il a l'air vraiment top comme papier. Qu'est-ce qu'il y a, ma puce? Ah, calme-toi, ma chérie. Ensuite, alors, tu m'as trouvé de chez We Are Memory Keeper, donc ça, ça vient de chez Nose, du foil. Alors, c'est le foil qui est cette couleur-là, donc orange cuivre. Il est très joli. Dedans, il y a 30 feuilles. Et là, tu m'as fixé ça avec une étiquette. Oh, c'est joli, ça. Comme ça, je sors, je vais vous montrer. Ouh. Ouh. Je pensais discrète. Ah non, tu n'es pas discrète, mais c'est pas grave. C'est très joli, j'aime beaucoup. Regardez. J'aime trop. C'est super joli. Je suis fan. Donc ça, je sais pas où tu as trouvé ça, mais c'est super chouette. Tu as dû trouver ça chez Nose. Et l'autre, je vais aller lui faire sauter l'enceinte par la fenêtre. Si seulement. C'est la chauve-souris qui fiche le bazar. J'en ai marre de la chauve-souris, j'en peux plus. Là, c'est la journée. Mais c'est comme ça la nuit aussi. On est un jour. Vendredi. On est vendredi. Non, mais c'est le début du week-end. Je cherche pas. C'est pour ça qu'ils sont déjà 3-4. Ensuite, oh là là, ça vient d'où ça? Oh, c'est trop beau. Ah, oh, j'adore. Dans une pochette transparente. Je vais ouvrir la pochette. Oh, c'est trop beau. Je ne sais pas où tu as trouvé ça. Là, faudra me dire. Faudra nous dire. Ouais, c'est les deux mêmes papiers. Regardez-moi ça. On a une pile de livres avec une tasse, les lunettes, la fumée qui sort de la tasse. Et on l'a en trois modèles. Donc après, on a juste à découper. Vous voyez, c'est les trois mêmes. Et il y en a deux pages. Ah, c'est trop joli. Waouh. Genre, les teintes, c'est magnifique. Ah, j'adore.
Je le remets tout de suite dans la pochette pour y protéger. Je sais pas où tu as trouvé ça, mais c'est top. Ensuite, un autre bloc de chez Lidl. Je le pose là. Donc là, ce sont les papiers unis. On a 25 feuilles. C'est du 270 grammes. Donc là, on était à 245. Là, on est à 270. Et ce sont les papiers donc unis de diverses couleurs. Franchement, il est superbe ce bloc. On a même un gris. Le même gris que la couverture, que le carton. Il est super. Je te remercie beaucoup. Tu m'en avais déjà envoyé un. C'est un amour. Ensuite. Oh, mais c'est génial. Mais ils font plein de trucs bien. Il va falloir que j'arrive à trouver un jour la pub au bon moment chez Lidl pour pouvoir y aller. Set de création Holiday. On a 57 pièces. Donc ça se présente comme ça. J'essaie que vous n'ayez pas trop le reflet. Donc c'est toujours du Lidl. Dedans, on a des papiers. Leur pastille de colle, elle colle bien. Elle arrache le plastique. Non, mais ça, c'est une pastille de colle. Donc oui, ça colle. Oui, mais t'as de la colle qui colle moins que d'autres, hein, des fois. Donc dedans, on a... Je vais là-bas 5 minutes, j'arrive. Des petits stickers animaux. Alors, je vais attraper un papier. Vas-y, pousse. Regardez comme ils sont choupis. Oh, j'adore. Ils sont trop beaux. On a dedans deux feuilles de feutrine. Elle est super douce comme feutrine. Elle est très souple et très belle. On a un abricot et un rouge. On a des papiers pailletés. Un papier pailleté. Puis il est épais, le papier pailleté, j'en reviens pas. On a un papier épais pailleté, donc argent blanc. Il y a un peu entre les deux. Du bleu et du marron. Non, il a l'épaisseur, c'est impressionnant. On a du vellum. On a deux feuilles. Donc on a une feuille de vellum ordinaire. Et on a une feuille de vellum, elle est noire, superbe. Regardez-moi cette couleur. Ça brille de mille feux. Et on a des papiers décorés. Donc on a celui-ci. On a avec les cactus. Il est trop beau. Là avec les flamants roses et des feuillages tropicaux. Ils sont très jolis comme papier. J'aime beaucoup. Pour faire un album, c'est top. Album, base de cartes. Là, on a celui-là. Ensuite, on a un papier qui est embossé avec des feuillages. Il est très joli aussi. Et on a des papiers unis de couleurs. Donc, on a un gris. Attends, je ne vais pas vous détailler toutes les couleurs. Je vais vous montrer comme ça. Yop, yop. Déjà ceux-là. On a toutes ces couleurs-là. Je vais faire poignée par poignée, ça sera plus facile. Donc là, on a ces quatre couleurs-là. Et ces cinq autres. On a du papier ondulé blanc. Du papier ondulé en craft. Yep. Yep. Et on a ici des gabarits. Vous voyez, on a tout un tas de gabarits. Alors, je ne vais pas vous le montrer comme ça, vous n'allez pas voir. Je vais vous montrer comme ça. En fait, la feuille est entièrement remplie de gabarits. Que d'un côté ou des deux? Non, que d'un côté. Moi, c'est déjà pas mal, hein, vous me direz. Attends, je vais le laisser comme ça, comme ça.
Et là, pareil, pardon, on a toutes les explications de montage, des gabarits. Non, bah franchement, je sais pas combien ils vendent ça, mais c'est vraiment pas mal. Hein. J'aime beaucoup le concept. Donc, youp, youp. Ouais, les papiers pailletés, bien sûr, je les ai mis à l'envers. Hein. Oui, voilà. Ah, mais c'est génial ces kits. Eh, les copines, je vais vous missionner. Maintenant, quand chez Lidl, ils font les sorties de produits comme ça. Alors, si vous pouvez me prévenir par mail ou autre, hein, il n'y a pas de souci. Bien sûr, ça. C'est vraiment bien. Yep. Ensuite, parce que c'est pas fini, hein. On n'en est qu'au début. Hein. Tu m'as trouvé chez Nose. Des petits stickers. Oh, c'est top, on y arrive bientôt en plus. Des stickers, il y a deux feuilles. Des stickers Halloween. Ils sont super sympas. Regardez, on a la sorcière, les citrouilles, le crâne, la chauve-souris, les bonbons, les étoiles, la lune, le fantôme. Le chat. Oh, ils sont trop beaux. Le chapeau de la sorcière. Ils sont superbes. Et c'est bien parce qu'il n'y a pas ma phobie en plus. Hein. Ça, c'est parfait. Ah là, je suis contente. Ma phobie n'y est pas. Ça, c'est top. Combien de fois? Ah oui, parce que souvent, ils aiment bien en mettre. Hein. Ensuite. Ah oui, ça, c'est pour toi. Ça m'en avait parlé, c'est pour toi, ma puce. Elle a trouvé, ça se présente comme ça, et en fait c'est du plastique fou, c'est pour faire des colliers, mais on peut en faire ce qu'on veut. C'est du plastique fou qui est déjà imprimé, on vient colorier, alors elle viendra faire ce qu'elle veut dessus. Il y a déjà, j'essaye de, ben, je vais l'ouvrir, ça va être plus simple. Merci beaucoup. Alors, il y a plein de formes, hein. C'est génial. Et il y a déjà justement la chaîne avec les petits anneaux pour venir fixer dessus eh bien, tous les plastiques qu'elle voudra. Il y a même une licorne. Oh, une licorne. Alors, je reglisse dedans de façon... Voilà. Il y a une montgolfière, il y a un petit chat. Il y a une aile, on dirait un diamant, un nuage, un love. Ah ouais, c'est super mignon. Merci beaucoup. Donc une fois qu'elle l'aura colorié, il n'y aura plus qu'à le passer au four. Il doit y avoir les instructions de toute façon. Oui, instructions. Colorie chaque forme plastique à l'aide de crayons de couleur. Place les formes sur du papier sulfurisé, bien espacées les unes des autres. Et mets-les au four à 170 degrés. Ne pas mettre au micro-ondes. Attention, utilise le four uniquement sous la surveillance d'un adulte. T'as compris, Lola? C'est compris, chef. Les formes se mettent à onduler dans le four chaud, mais se redressent ensuite. À partir de ce moment-là, laisse-les 30 secondes de plus environ, jusqu'à les retirer à l'aide de maniques pour ne pas te brûler. Compris. C'est gentil. Ah, c'est génial. Il ne faut pas que tu me brûles. Tiens. Merci. Oui, je préfère infiniment. Te le rappeler que tu ne te brûles pas, toi. Tu nous l'as déjà fait l'été dernier, c'est bon, t'as donné. Ensuite, oh c'est génial. L'autre jour, je vous ai dit que les petites fleurs comme ça, j'en trouvais plus. Alors, elle m'en a trouvé un lot, je te remercie infiniment. C'est vrai qu'il y a des moments où on n'en trouve plus, d'autres on arrive à en retrouver, ou alors c'est pas les bonnes couleurs. Et ben, c'est adorable. Ensuite, chez Nose. Chez Nose, je vous avais montré des tampons. Et ben là, elle a réussi à en trouver un que j'avais pas vu. Mais alors, il est superbe. Il était une fois, prendre sous son aile. Poule de luxe, oh, j'adore. Cerise sur le gâteau, mon œil. Tout nouveau, tout beau. Cool Raoul. Drôle d'oiseau. Et minute papillon. Ah, j'adore. Donc, je vous les montre.
Elle est là, la poule de luxe. En vrai, les poules, c'est ma phobie, mais elle est belle. Yop, yop. Ah, c'est génial, je te remercie infiniment, parce qu'en plus, là, les sentiments, ils sont super rigolos. Je me permets, je change de position, parce que je vais pas tarder. Yop. Yop. Ensuite. Yop, yop, yop. Et yop. Tu as trouvé un très joli ruban. Donc, on a deux couleurs. Blanc et rose. Alors, je ne vais pas sortir les deux. Ils sont super chouettes. Mais c'est de la musique de mouise qu'ils écoutent. J'adore le système. On doit pouvoir y froisser, peut-être, je sais pas. Faudra que j'étudie le truc. Faudra que je regarde de plus près comment ça fonctionne. Mais c'est super joli. Donc, je te remercie infiniment. Donc, tu m'en as mis en blanc et en rose. Mais j'espère que là, tout ce que tu m'as envoyé, tu as pensé à toi quand même dans tout ça. Là, oui. Là, tu as dû partager et c'est déjà bien. Tu as trouvé... Non, même pas. Il est tout seul. Tu as trouvé des bouquets de roses sur tige. Ah non, tu n'as même pas partagé. On va t'exagérer. Elles sont super jolies, ces petites roses. Celles-là, elles n'étaient pas moi. J'avais des entièrement unies. Et toi, regarde. Elles sont claires à la base. Et c'est les pointes, le bout des pétales qui sont colorés. C'est trop joli. Ah, j'adore. Bon, il est un peu écrasé parce que c'est logique. Hein. Mais les fleurs en elles-mêmes, elles ne sont pas abîmées. C'est trop beau, regarde. Elles sont de deux couleurs. Wow, elles sont belles. C'est pas souvent de deux couleurs. Elles sont trop jolies. Je te remercie infiniment. J'en ferai bon usage. C'est promis. Je lui dis qu'il allait faire casse-cam, sinon ça va être, comme dirait Maryse, une fessée cul nue. Alors là, j'ai le pochon, mais il s'est vidé dans le sac. Enfin, dans le sac, dans le carton. Donc, je vais déjà en attraper 2-3 pour vous montrer ce que c'est. Et je récupérerai la suite au fur et à mesure. Ce sont des bouboules de Noël, regardez. Ah, c'est pas dit que c'était Noël, hein. C'était, je pense, plus l'arrivage-mariage. Mais pour Noël, ça va être top. Elles sont superbes. C'est les billes de polystyrène recouvertes de paillettes. Elles sont trop belles. Alors, là, le pochon, je ne vais pas m'en servir. Je vais attraper un pochon. Ça va être plus simple. Et puis, où ? J'en ai un là. Vous avez peut-être aperçu mes cheveux, je sais pas. Tant pis. Comme ça, vous verrez mieux comment elles sont. Et au fur et à mesure que j'en retrouverai, je les remettrai dedans et je vous montrerai après. Ah, tu m'en as mis deux de fleurs, mais t'es folle. Donc, il y a le premier qui est là et il y a le deuxième qui suit. Et pareil, elles ont deux couleurs. Ah, c'est trop gentil. Ensuite, ok, mais c'est bien, elles sont top celles-là. Elle a acheté des velcro. Alors, on a d'un côté celui qui est doux et de l'autre celui qui accroche. Et elle me dit, j'en ai beaucoup trop, donc est-ce que ça t'intéresse? Ben oui, ça sert toujours. Et je t'avouerai que moi, de cette taille-là, j'en avais pas en plus. J'en ai des tout petits, mais j'ai pas de cette taille-là. Bien, ceux que j'ai, ils sont là, moi d'ailleurs. J'ai la pochette. Yop. Vous voyez la différence de taille? Ah, vous verrez mieux. Ils font quasiment plus de moitié moins de taille. Donc, je te remercie infiniment. C'est adorable. Et puis, il y a de quoi faire. Ça, c'est Marie-Noël. Elle n'en voit pas dans la demi-mesure. C'est toujours du partage avec Marie-Noël, mais toujours beaucoup trop de partage. T'es trop généreuse, je te l'ai déjà dit, Marie-Noël. Ensuite, on continue, parce que c'est pas fini, hein. Elle m'avait envoyé de la colle.
J'ai oublié en fin de vidéo, c'est celle-là. Je vous la montre, elle est là. Yop. J'avais collé du papier avec, je vous avais dit qu'on regardait en fin de vidéo. Et en fin de vidéo, j'avais complètement oublié. Mais je lui avais dit que ça collait bien. Et là, je peux vous le dire, elle colle vraiment bien. Le papier ne se décolle pas, il se déchire. Donc du coup, même on a repris deux pots. Et bien, moi, je ne manquerai pas de colle. Là, je ne peux pas vous faire le coup du champagne de colle. Hein. Parce que sinon, c'est Marie-Noël qui va venir me mettre la fessée cette fois. Ah, bah regardez. Et bien, on a mis un, deux et trois de bâtons de colle pailletée. Tu pourras t'en servir, ma louloute. Merci. Ensuite, elle a trouvé des flacons de colle. Stationary glue, ils appellent ça. 30 ml par flacon. Donc, ça ressemble à ça. Je sais pas si c'est allemand, si c'est... Je sais pas d'où ça vient. J'essaye de voir. Je ne sais pas. Mais pareil, je testerai et je vous dirai. Donc, elle m'en a mis 3 flacons là. Plus 3 autres. Là, si je vous dis que je suis en panne de colle, c'est que je suis une menteuse. Hein, on est d'accord. Les bouboules, je peux en rattraper. Je les rattrape, je les glisse dedans. Parce que là, le problème, c'est que si je ne les ramasse pas tout de suite, ça va voler en attrapant la suite. Donc, je prends... À la rigueur, je vais mettre en pause le temps de ramasser les bouboules, ça sera plus simple. Allez, à tout de suite. Ben, revoilà, donc ça y est. Théoriquement, tout doit être là. Vous voyez, ça en fait pas mal, hein. Elles sont super jolies. Et du coup, elle va renvoyer du double face. Il est génial, mais bon. Tu dois les dévaliser à force. Mais je te remercie infiniment. C'est pas fini. On continue. Ça ira avec tes marque-pages. Tu m'as mis un lot de washi. Il est super joli. C'est du washi pailleté. Regardez. Donc, on a un turquoise, un bleu, un rose, un or, un argent et un rouge. Mais le rouge, il fait limite tout doux à voir. Il est pailleté, mais il ferait presque comme du velours à travers le plastique. C'est trop joli, regarde. Ah oui. Ils sont superbes. Je te remercie infiniment. Là, pour les fêtes, ça va être pratique. Surtout que je ne vous posterai pas les vidéos tout de suite, mais je ne vais plus tarder à attaquer, si tout se passe bien, s'il n'y a pas de contretemps, je ne tarderai pas à attaquer à commencer mes tutos pour vous les poster plus tard. Les tubes de colle comme ça, je vous ai dit qu'il y en avait deux. Il y en a un ici, un autre là, plus celui que j'ai entamé là-bas, hein, que j'avais eu l'autre fois. Ben non, ce n'est pas deux, c'est trois. Hein, y a, voilà. On n'est jamais 203, ben là, tu as respecté le truc. Hein. À la lettre et t'aurais pas dû. Tu m'as remis de la peinture. Donc tu m'as remis le numéro 402 qui s'appelle brun foncé. On voit la couleur ici. Il est très joli. Donc ça c'est la peinture Amsterdam. Et tu m'as remis donc hop, je vais le défaire parce que sinon je peux pas lire. Le numéro 289 bœuf titane clair. Et elle est comme ça. Très jolie aussi. Et ben, je te remercie de tout cœur. Ensuite, chez Nose, tu m'as trouvé toujours des petits nœuds. Ils sont super mignons. Ah, j'aime beaucoup. Donc, tu m'as pris des petits nœuds jaunes. J'aime bien, ils sont beaux. Et tu m'en as pris des gris. C'est adorable. Et je te dis, il va falloir arrêter. Hein. Là, c'est pire qu'un haul. Là, c'est une explosion. Ouais. Ensuite, elle est magnifique. Yes Love. Un vernis à ongles Parme. Ah, il est trop beau. J'adore. Waouh, il est trop beau. Il est super. Ah oui, et puis c'est les bouchons comme ça. Ah, ça, c'est bien. Et je l'ai rattrapé au vol, tu remarques. Parce que l'avantage, c'est que là, il tient, on peut dévisser. Mais des fois, quand ça a un peu coulé dedans, si on en a mis un peu sur le bord, c'est sec. Et on n'arrive pas comme c'est lisse. Tandis que là, on soulève. Et avec le crantage, on peut dévisser facilement.
voyez ce que je veux dire? Ah, ça, c'est génial, les bouchons comme ça. Je te remercie infiniment. Allez, on continue parce que c'est pas fini. Là, quand je vous dis, jamais 203. Déjà, tout à l'heure, les couronnes de fleurs, il y en a eu 3. Ouais. Oh, là, t'as pensé à mes kilos, là. La palourde, croustille en caramel au beurre salé et au fin praliné. Regardez-moi ça. Oh là là. Alors, du fait que moi je fais la vidéo, je ne vais pas pouvoir en goûter tout de suite. Hein? Ah, ça veut dire que moi, oui. Toi, t'as le droit. Ah oui, mais moi je parle. C'est pas poli de parler avec quelque chose dans la bouche. C'est parfait. Faut continuer comme ça. C'est pas vraiment. Mais je vais déjà pouvoir sentir l'odeur au moins. Oh, ça sent trop bon. Ça sent super bon. Hop. Donc, ça se présente comme ça. On le déballe. Ouais, carrément, il ne me laisse même pas le plaisir oh, de le déballer. Oh, l'odeur. Oh là là. Je vous montre. Ça fait vraiment comme, comme une palourde, comme un coquillage. Je vous fais sentir. Allez, allez-y. Oh, ça sent bon, hein. Tiens. Ah, si seulement je pouvais vous envoyer l'odeur. Mmh, ça sent hyper bon. Ah ouais. Ça, je suis d'accord. Ensuite. Oh, que c'est joli. Oh, c'est trop bon. Ça, pareil, j'en avais pas vu. De chez We Are Memory Keeper. Donc là, on a des choses que j'ai même pas vues sur les réseaux. Que j'ai pas vues en vidéo, donc... Vous avez vraiment des exclusivités grâce à Marie-Noël. Vas-y, parce que moi, je vois la tête qui est faite. J'ai entendu le « c'est trop bon ». C'est un régal. Elle a surkiffé. C'est incroyable. Tu voulais que je te les passe? Oui. Non, t'attends un peu. Ah, bah mince. Donc, de chez We Are Memory Keeper. Regardez. Elles sont super ces capsules. On a Cupidon, Love. Je suis Cupidon. Regardez, elles sont trop belles ces capsules. Ah, j'adore. Crazy for you. Ah, c'est génial. Ah bah tu vois, ça j'en avais pas vu, j'en ai pas vu dans les hauls des copinettes que je suis. Mais ouais, pourtant on a fait combien de nos en tout? 3. Puisqu'on en a 3, bon pas à côté de chez nous, hein. Mais quand on va à Chalon, il y en a déjà 2. Et on fait jamais les deux en même temps. Hein. Et à Bourg-en-Bresse, il y en a 1. Et ça, je les ai jamais vus, ni dans l'un ni dans l'autre. Bah du coup, moi non plus. Ensuite, tu as trouvé un bloc de papier. Alors, je vais l'ouvrir, on va regarder comment ils sont. Oh ben non, là je l'ai ouvert, j'ai pas besoin de les sortir. Ce sont toutes les mêmes feuilles. Elles sont blanches avec du. Voilà, avec du or dessus. C'est des feuillages. Il est superbe ce papier. Waouh! J'aime beaucoup. Non mais ils me fatiguent avec leur musique là. Ensuite, on a à nouveau des stickers. Yep. Alors, nous avons celui-ci. Il est super beau. Celui-là, je ne l'ai jamais vu. Je ne suis jamais tombée dessus sur celui-là. Sinon, je l'aurais pris. Oh, les... c'est un furet, là. Oh, c'est peut-être... C'est des fou... Je dirais plus une fouine. Mais bon, c'est de la même famille. Regardez-moi le cupcake, la glace, le papillon. Là, sur sa balançoire, avec la branche. Là, la barque sur l'eau. Le petit renard en train de lire. Les deux petits personnages. Oh là là, la petite roulotte. Ils sont superbes. La branche d'arbre. Les trois petits copains, là, assis sur le ponton. Oh, ils sont magnifiques, ceux-là. Et toutes les fleurs en bas, elles sont trop belles. Regarde. J'adore. Ah bah celui-là, je ne l'ai jamais vu chez Action.
Celui-là, oui. Alors, celui-là, oui, je l'ai. Mais alors, je veux dire, je suis trop contente parce que celui-là, je le kiffe. Il fait très Alice au Pays des Merveilles. On a les cartes, les signes de cartes. Donc, carreau, trèfle, pique et cœur. On a beaucoup de sucreries, les oreilles de lapin, la théière, le cupcake sous cloche. Alors, les panneaux comme ça, vous savez que j'adore aussi. Les champignons, le petit lapin, la clé. Ils sont magnifiques. Et là, celui-ci. Pareil, il y en a des super jolis dessus. Là, on a l'ombrelle. Et là, ce sont les ombrelles vues du dessus. La montgolfière, la tente, les petits animaux. Regardez-moi ça. Le paquet cadeau envoyé par parachute. La petite valise. Le vélo. Là, on a un avion. Le chapeau de paille. Les ballons. Le paysage, là, les arbres avec la tente. Ils sont superbes. Même les petits panneaux, là, ils sont super jolis. Merci infiniment du fond du cœur. Oh, la dame était folle. Elle m'a retrouvé un autre tampon. Alors, celui-là, je l'ai, donc ça sera pour Louloute. Ça tombe bien, elle le voulait. Elle ne l'avait pas trouvé. Non, attends, je sais plus si je l'ai. Non, je crois pas que je l'ai, celui-là. Non, je l'ai pas. T'as pas de chance. Celui-là, non, je crois pas. C'est Peggy qui me l'avait montré en photo. Cherchez l'intrus. Je vous laisse regarder. Puis au pire, même si je l'ai, ça sera pas. Je m'en rappelle. Et ben l'intrus, c'est celui-là, là. Le chat dans la cage. Trop joli, j'adore. Je suis sûre que c'est les oiseaux qui l'ont mis dans la cage. Ensuite, encore un tampon. Ma petite tribu. Premier vol. Coucou. Ils sont superbes. Ouais, c'est les oiseaux qui ont enfermé le chat. Et là, par contre, tu as fait des folies. Tu exagères. Tu m'as trouvé des dies de chez Daris. Yep. Donc là, c'est un dies d'angle. Il est très joli. J'aime beaucoup. Il doit être très, très fin en plus. Je vous montre de plus près. Tu m'as trouvé. Il est magnifique. Toujours dans la même marque. Les papillons. Ils sont superbes. Ils ont des formes originales. Ça change un petit peu. Ils sont trop beaux. Et le die suivant. Donc, embossing. Toujours de chez Daris. Alors là, c'est une pépite. Regardez-moi ça. La cage à oiseaux, le petit nichoir et l'oiseau. C'est magnifique. Et en plus, elle est d'une taille. La cage à oiseaux, elle est superbe. Avec la petite porte, tout. J'adore. Bon, tu t'es pas arrêté là. Ça aurait pas été drôle. Tu as trouvé des rubans. Alors, je décale un peu la chaise. Je vais changer de position parce que j'en peux plus. Tu as trouvé des rubans chez Nose et ils sont vraiment trop magnifiques. Regardez-moi ça pour Noël. Donc, hein, toujours dans la générosité totale. Un peu trop. Beaucoup trop. Mais c'est adorable. Celui-là, pareil, c'est une pépite. Ils sont tous waouh. Regardez-moi ça avec tous ces oiseaux. Donc, ma petite Maryse, l'autre jour, t'as voulu me narguer en me disant que cela, c'était pour toi, hein, que je craquerais dessus. Bah, tu vois, Marie-Noël, elle fait pas de jalouse. Hop, le début, là, il est là. Regardez-moi ça. Sur le thème Paris, puisqu'on a le timbre avec la tour Eiffel, ils sont superbes. Quelle chance tu as de les avoir trouvés. Et le dernier.
bon voyage. Bonjour, France. Après, hop, je vous laisse mettre en pause si vous voulez essayer de lire la suite. Mais il est superbe. Franchement, et puis à chaque fois, hein, t'as pas lésiné. Je te remercie de tout cœur. Et c'est pareil, les quatre rouleaux, je pense qu'il n'y a que toi qui as dû les trouver. Les quatre rouleaux de ruban. C'est vraiment arrivé au bon moment, le bon jour chez nous. Et tant mieux pour toi. Puis pour nous, puisque tu nous en fais profiter en même temps. C'est vraiment formidable et adorable. Et ça, c'est toi, je sais que tu es tout le temps dans le partage, hein. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Dès que tu as quelque chose, il faut que tu partages avec les autres. Et c'est très beau. Je mets en pause le temps de faire de la place parce qu'il y a encore d'autres choses. Mais il me faut de la place pour vous montrer la finale. Donc, je mets en pause et je reviens tout de suite. Nous revoilà. Donc, j'ai mis un peu de place et on va finir. Elle m'a trouvé deux blocs chez Action. Et je suis trop contente. Elle m'a pris le Perfectly, Imperfectly. Celui-là, c'est une bombe. Je vous le remontre pour celles qui ne l'ont pas vu. Ah, j'ai déjà sauté un papier. Bravo. Yep. Alors, je vais le mettre dans ce sens-là. Au moins, vous verrez les deux feuilles. Voilà, impeccable. Il est superbe. Donc là, on a des petits points. On a les petits points habituels ici. Là, on a les images. Je ne vais pas trop vous le décrire. Hein. Je pense que vous l'avez déjà vu dans des vidéos. Et je vous le remontre quand même au cas où. Ça fait du bien, l'air des pages. Ils sont superbes, ces papiers. On a ce point-là. Ah, mais j'ai chaud. Et là, on arrive à l'entre-deux. Donc, elle m'a pris celui-ci. Et elle m'a pris mon chouchou. Donc, je suis contente. J'en ai plus beaucoup à trouver, du coup. C'est celui-là. C'est le Just Pick the Rose of Life Today. Donc, celui-là, je vous le remontre aussi. Hein. Mon chouchou, c'est normal. Là, on a de très joli feuillage avec des fleurs. Là, de très fines rayures. Là, on a des petites écritures avec des petites oblitérations par-ci, par-là. Regardez-moi ça. Oh, la mouche. Il y a une mouche qui est rentrée quand on a ouvert la fenêtre ce matin. On n'arrive pas à s'en débarrasser. Ils sont superbes, ces papiers. Et je les surkiffe total. Là, on a le plan de Londres. Des étiquettes. Là, on a des feuillages avec des fleurs. Les cartes postales recto et verso. Hein. Franchement, elles sont sublimes. Des fleurs. Et ça me gratte les côtes dans le corset. Gratte-toi en silence. Ah, merci. J'essaye, j'essaye. Là, on a des feuillages. De très jolis petits feuillages. Là, un paysage. Et là, nous avons, ça fait comme des articles de journaux, mais déchirés et recollés. Ça fait super joli. Là, pareil, les petites écritures avec des petits cachets d'oblitération. Et là, de magnifiques clés. Ah oui, vous ne les voyez pas. Là. Les petits cachets d'oblitération, ils sont là. Yop. Donc, je te remercie infiniment. Et elle ne s'est pas arrêtée là. On va regarder deux autres blocs. Alors là, ça, je ne sais pas de quelle boutique ça vient. Je ne sais pas où tu les as trouvés. Mais alors, c'est une tube. Tu sais que j'adore la Provence. Et donc, elle m'a trouvé non pas un, mais deux. Et ce n'est pas les mêmes. Donc, on va les regarder ensemble. J'adore tout ce qui est provençal, lavande, le lilas qui va très bien avec aussi. Désolée pour le bruit. Donc là, on a le premier. Regardez-moi ça. C'est trop beau. T'es folle. Là, t'es complètement folle. Et le prend pas mal, hein, je le dis gentiment. Mais c'est adorable.
Là, les étiquettes, elles sont recto verso. C'est trop beau. Ce papier-là, il est magnifique. Avec un mélange de papier comme ça. Les brins de lavande. Le vieux bois. Tout ce que j'aime. Ils sont magnifiques, ces papiers. J'adore. Avec l'effet de dentelle. Les petits tags. Là, les écritures. Là, à nouveau des étiquettes. Le dos des étiquettes et les écritures. Il est superbe. Alors, je le rangerai dans sa pochette après. Et le deuxième, c'est pas le même. J'avais même pas que des Provence, il y en avait deux. Tu me fais découvrir quelque chose. Et je pense que je suis pas la seule à ne pas savoir qu'il y en avait, à penser qu'il y en avait qu'un. Donc le deuxième, pareil, c'est le même titre, hein, Provence. Là, c'est un parfum et là, c'est un pot de lavande. Et donc là, alors on va regarder, tiens, les différences qu'il y a. Déjà, la première page, là, c'est du papier décoré. Là, c'est des étiquettes. Là, c'est le même. Alors, on va tourner cette page-là avant. On va venir là. Là, c'est les mêmes papiers. Là, pareil. Là, c'est la même chose. Je ne sais pas pourquoi ils l'ont changé de couverture. Ah, là, c'est pas le même. Là, on a le même. Là, on n'a pas le même. Il y a des papiers qui varient. Là, on a la même chose. Là, pareil. Là, à gauche, on a le même. À droite, c'est pas du tout le même. Il est super joli avec la fenêtre. Oh là là, j'adore. Les écritures. Il est superbe. Même si on a des papiers en commun, ça ne gêne en rien. Vous voyez, là, c'est les deux mêmes. Là, pareil. Et là, c'est pas le même. Là, il est comme ça. Et bien, franchement, je te remercie infiniment. On fait voir les dos. Ouais, les dos, on voit qu'il y a des différences. C'est marrant. Ouais, ben, tu vois, tu m'auras appris quelque chose. Là, on a tout récapitulatif de ce qu'il y a dedans. Et donc, voilà. Et la couverture, elle est dans le même style, mais on voit que ce n'est pas les mêmes images. Qu'il y a des papiers qui diffèrent. Donc, je te remercie vraiment infiniment du fond du cœur. C'est adorable. Mais franchement, c'est trop. C'est beaucoup trop, Marie-Noël. C'est... waouh. C'est trop. Merci infiniment de tout mon cœur. Il va falloir t'arrêter. Hein. Je peux pas dire que ça me fait plaisir, je serais une menteuse. Ça me fait vraiment très plaisir, ça me touche énormément. Mais voilà, c'est que je peux pas te rendre tout ce que tu m'offres, je peux pas te le rendre. Et c'est, voilà. Je suis pas quelqu'un de profiteuse, je suis pas comme ça. Donc voilà. Mais en tout cas, mille merci. J'ai bien tes marque-pages. Je ferai la vidéo dans l'après-midi.
J'ai bien ce qui va avec les timbres. Je vous montrerai tout ça tout à l'heure dans une autre vidéo parce que là sinon ça va être trop long et je veux vraiment différencier les deux, les marque-pages et ta gentillesse. C'est un vrai haul avec des choses qu'on n'a pas vues en haul, en vidéo. Donc voilà, en titre, je ne sais pas ce que je vais vous mettre, mais il y aura le mot haul. Je vous mettrai pas le mot en voie du cœur, encore tellement de gentillesse, de générosité. Non, je vous mettrai pas ça. Je vais vous mettre énorme haul ou avec des nouveautés, avec magnifique trouvaille, quelque chose comme ça. Je vais voir, mais voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu une fois de plus. Et on se retrouve tout à l'heure pour les marque-pages de Marie-Noël. Allez, plein de gros bisous, ma chérie. Je pense à toi très fort. Merci encore à ma Danielle V pour cette idée, pour les planches magnétiques de chez Stokomanie. Et je vous envoie à toutes plein de gros bisous. Prenez soin de vous et à tout à l'heure. Bisous, bisous, je vous aime.